Hey, salut mes rivals, ça y est, on y est, c'est la fin. Avec notre grosse tête-tête et notre dernière mission, on aura fait jusqu'au bout comme prévu. Pensez à mon petit abonnement, petit like, petit commentaire, petit tout ça, hein, vous savez, comme d'habitude. Enfin bref, et sinon restez jusqu'à la fin. Vraiment, parce que je fais tout, il y aura tout le teaser. L'ennemi de mon ennemi, un sombre défi. C'est parti! Petit nuage, tout ça. Ok. Petite ambiance comme d'habitude. Le bas? Non, pas Galore. Pas Galore parce que. Ouais. Oh, ils nous équipent bien quand même. Eh bon, Galore parce que si j'ai bien suivi, c'était elle qui partait dans le truc. Ah, c'est pas grave. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Vous faites avec quand même. Envoie la sauce, jeu! Il n'y a pas beaucoup joué Bacalar cette saison. Ah, c'est pas des masses. Enfin bref. Sombre défi, un coup de théâtre. Tu veux. Pourquoi tu es là? Bien, je te propose un marché. Tu rejoins les fantômes et je t'aide. En contrepartie, apprends à lire plus vite. D'accord, j'ai compris. Hop! Alors! On entre et on sort. Ça va le faire, Anita. Mais oui, ça va le faire. Je rêve de puissance infinie, seuls les fantômes peuvent te la fournir. Hey, Jessie! Hop, voilà, c'est bon. On va pas trop traîner non plus, parce que. Hey, oh. Ok. On s'aligne, on aime mieux que ça. Allez, c'est parti. Bah, boum. Oula, c'était quoi ce petit freeze? Hop. Hop là, voilà, ok. Des autres? Non? Bon, les versions gold de tout, on se gêne pas. Après tout, c'est la dernière. Donc on va mettre la max. Hop, 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 hop. Ok. Non, pas besoin de ça. Hop, là. Ok. Un avoc gold, ouais, off. Tiens, ok. Aime mieux. On a dit on aime mieux. On ne meurt pas ce coup-ci. On fait ça en mode epicness. Hop! Oh là 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 là! C'est quoi cette optimisation? Ça freeze. C'est pas le PC, c'est pas possible. J'ai un monstre de guerre. C'est pas ça. Ok. Ah, il souffle tout seul, celui-là. Bon, d'accord. Rien. On est des professionnels, nous. Ah, viens ici. Ok. Un petit peu de balle. C'est bien beau, hein, le R9 Gold, tout ça, mais. Bouh! Ping dans ta fesse, ou non? Oui, c'est mieux. Voilà. Voilà. Ok. Nous sommes des professionnels, on a dit. Un peu mes boucliers. Là. Ping. Ici. Ça au moins c'est efficace. Pas toujours. C'est quand même efficace. On ne me contredit pas, j'ai raison. Ici. Ok. Je les entends, mais des fois je me demande où ils sont. Hop, un peu de heal, voilà, c'est fait. Voilà. Ouf, vise mieux, voilà, c'est mieux. Bing! Book! Voilà, très bien. Je prends ça, hein, vous m'en voulez pas. Hop, voilà. Alors, oh, salut. Hop, allez. Hey. Non, c'est bon, rien, ok.
Ah si, il y avait quelque chose. Ouh. Ok, ok. Encore un totem, admets-le. Je sais pas, j'ai pas lu, c'est ma faute. Je vais reprendre ça parce que ça au moins ça compte les balles que je drop. Allez. Suivant. Ils nous font faire des droits de gauche, tout ça. Hein. C'est un peu moins tout droit que d'habitude. C'est bien. Ok. Bon. Bon, j'ai dit. Ouh. Pouk. Pouk. Ressens-tu le pouvoir des fantômes qui coulent dans tes veines? Ah ouais, et c'est rapide quand même. Oh la vache. Oh, si on pouvait jouer à cette vitesse, mon dieu. C'est par où? Ah bah, je suis un fantôme. Let's go. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Oh là là, cette vitesse, c'est jouissif. Ça me court après, n'est-ce pas? Ouais. Yeah, yo! Bouc! 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 Chèvre! Non, bon, je la referai plus, promis. Ah! Oh! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Double calme, voilà. C'est vrai que cette capacité fantôme, s'il avait celle-là revenant, ce serait violent. Le combat s'annonce déséquilibré. Pour eux, ouais! Tiens! Piti, piti! Piti, piti? Ah, là-bas. Mmh, oh, touchdown, ping, ping. Aïe, aïe, oh, ok. Prends ta baffe. Toi, oh, prends ta baffe. Oh, hop là. Viens, viens, viens. Je te fais face, tiens. Tiens. Yo, tiens. Tiens. Y'en a d'autres. Super rapide, c'est vraiment jouissif. Récupère la quincaillerie et reviens. Mais pourquoi il me donne des orques celui-là, là? Depuis quand tu me donnes des orques, toi? Je n'avais pas retrouvé ton ancien corps? Oh, dommage. À cette vitesse, considère ça comme mon cadeau d'Adi. Ouah, tu veux voir, y arriver. C'était peut-être pas la meilleure façon d'y aller. Bon, bah en cours, hein. Tut, tut, tut. Hop, hop. Allez, allez, allez. 50 secondes. 51, 50, 49. J'ai l'impression que si je m'arrête... on va essayer. Ouh, ouais, si je m'arrête, tout ce qui me court après me rattrape. Ouh là là, ouh. Bonjour tout le monde. Tiens, un petit coup de fist. Allez, on se casse. Ouais, 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 c'est ça. Ah ouais, je ferai pas la même erreur. Hop là. Salut. Ping. Juste pour le fun. Wouhou. Écran vert, comme d'habitude. Les murs, tout ça, hein, on le sait. Ma chaise grince. Faut que je la change. Enfin bref. Le charme. Il est nul, comme d'habitude. Voyons ça, pièce d'artefact, façade. Ce visage unique est inquiétant. Justement, a été conçu de façon à inspirer diverses réactions émotionnelles. Blablabla, 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 blablabla. Ok. Allez, chapitre 9. On veut savoir. Le fantôme brisé. Ce coup-ci, je me suis fait avoir comme un bleu. Je pensais à moi avant la mission. Je me suis laissé influencer par mes émotions. J'ai mis Lobin en danger. Alors c'est à moi de rectifier le tir. Je me place en surplomb de son vaisseau. L'alimentation auxiliaire fonctionne, ce qui veut dire qu'elle est à l'intérieur. Après quelques instants, l'écoutille s'ouvre et elle sort. Elle prend une grande bouffée d'air nocturne, qui pourrait être sa dernière. Ouh. Je sais que tu es là. Je sens ta présence. L'espace d'une seconde, je crois qu'elle parle de moi. Puis je vois une forme se dessiner dans les branches d'un arbre à environ 200 mètres d'ici.
Plus de 2 mètres de simulax que la tique atterrisse devant Loba et la domine de tout leur haut. Elle dégaine son arme. Eh bien, pas de renfort, c'est très décevant. Il ignore que je suis là, ou alors il fait mine d'ignorer. Je ne me fie pas au moindre mot que persif son processeur vocal. Finissons-en, démonio. Je préfère prendre mon temps. Ça fait si longtemps que j'en rêvais. Loba est habile. Je n'ai même pas remarqué le bouton sur lequel elle a l'appui de sa main libre sur le panneau latéral du train d'atterrissage. Des tourelles automatiques apparaissent sur le flanc du vaisseau. Tous braqués sur lui. Oh, que je l'ai sous-estimé. Tu reviendras, comme tu le fais toujours. Mais au moins, je partirai d'ici avec une longueur d'avance. Loba, Loba, Loba. Toujours aussi théâtral. Je suis pas venu te tuer. J'ai du mal à le croire. Comme si tu savais faire autre chose. Elle ôte le cran de sûreté en le voyant avancer. Je l'ai en plein dans mon viseur. À nous deux, il ne peut rien faire pour esquiver nos balles. Je viens t'aider. Rien, sauf ça. Tu me prends vraiment pour une idiote ? Oh, bien au contraire. Tu crois que tu es la première à vouloir te venger ? J'existe depuis plus de 300 ans. J'en ai vu beaucoup comme toi. Tu n'es même pas la première à utiliser des snipers en surplomb. Bon sang. Mais tu es la première à retrouver la trace de mon code source. Tu peux mettre fin à tout ceci. Qu'est-ce que tu me racontes encore ? Est-ce que tu sais ce que ça fait de pousser son dernier soupir ? Non, bien sûr. On lutte, on transige avec des dieux invisibles, mais on finit par perdre et plus rien ne peut nous empêcher de sombrer dans l'abîme. C'est quelque chose que moi, je suis encore et encore. Subis encore et encore. Tu as peur ? Tu ne m'écoutes pas. Il purgeait ma mémoire. Chaque fois était comme la première et la seule à mes yeux. Le programme a été corrompu. 300 ans de mort, de peur, de terreur ont afflué en une seule seconde. C'est un enfer. Chaque seconde de mon existence est un enfer. Devine le seul élément informatique qui n'a pas été corrompu. Je ne peux pas nuire à mon code source. J'en suis physiquement incapable. C'est à pleurer de rire. Alors trouve quelqu'un qui s'en chargera pour toi. Encore faut-il que je sache où il est. Qu'est-ce que tu crois que je cherchais en m'introduisant dans tous ces complexes de Hammond? Aucun de ceux que j'ai interrogés ne savait où il était. Puis tu es arrivé. Tu es mon seul espoir là-bas. À défaut d'un meilleur terme, tu es ma sauveuse. Oh là là, ce retournement de situation. Mais c'est le destin. Je t'accompagne, je sais pas où est le code source, mais je vais être présent quand tu le détruiras. Tu ne veux pas que je te tue, tu veux que je te t'euthanasie ? J'aurais dû mourir il y a 3 siècles. Prends ça comme la réparation d'une erreur administrative. Offre le repos à un fantôme. On parviendra tous les deux à nos fins, de la poussière à la poussière. Ces quelques mots suffisent déjà à me rendre le sourire. Il est vraiment bizarre, lui. Loba ne dit rien. Elle reste plantée là, abasourdie. Je suis impatient que tu me recontactes quand Amanda enverra ses coordonnées. En faisant volte-face pour repartir, il jette un bref regard dans ma direction. À bientôt au combat, soldat. Loba ne cherche pas à me regarder. Elle observe son départ sans le quitter des yeux. Je me laisse tomber à terre. Un silence pesant s'installe. Tu as laissé passer l'occasion de descendre de méchant. Ouais, recontacte-moi quand tu sauras qui c'est et je rectifierai ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, je reçois un appel. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. C'est pas le moment, Gigi. Alors écoute, on a le dernier morceau, la façade. Tu croiras jamais ce que c'est. Rapplique ici, séance tenante. Reçu. On a aussi reçu un appel de Hammond. Ils veulent qu'on livre l'engin en coordonnées indiquées et Loba aura l'emplacement du code source. Reçu, haut et clair.
Terminé. Noba semble avoir été percuté par un train de marchandises. Tu l'as entendu? Mission accomplie. Oui, je tiens enfin ma vengeance en répondant à ses prières. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour la première fois depuis longtemps? J'en sais foutrement rien. D'où? De poussière à la poussière. Et ben voilà. La petite dernière, on connaît la fin, le petit teaser, tout ça, tout ça. Est-ce que je vous le fais tout de suite? Je sais pas. Peut-être dans une autre vidéo. Non, allez, je déconne. Allez, on va la faire, on va la faire. Ne grisez pas. Allez. Fais voir un peu. Et, hey, H. Mais ça nous tease à donf la saison 6, on dirait. Oh, oui. Allez, voyons ça. Dans les cendres, résolvez le mystère. La petite Trioba pour la fin? C'est son histoire, après tout? Oh, petite musique. Nous y voilà. C'est calme par rapport à d'habitude. Prends notre temps. Vous voyez ce marqueur? Allez dans sa direction. Attends, laisse-moi profiter. C'est la première fois qu'on voit ce coin calme. Oh, bon, ok. Objectif en vue. Essayez de trouver une poignée ou un interrupteur. Eh bien, ça va? Ouais? Bon bah... Youhou! J'y vais doucement quand même, parce qu'il faut profiter, hein, c'est la dernière. Qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous des diffs à m'entendre? Ouais, un petit peu, hein. C'est Loba qui se parle à soi-même. J'ai été con, j'aurais pas dû prendre Loba. Dis tout, pas grave. Est-ce que... Attendez, j'ai que seul. Oula, ça veut plus rien dire, d'accord. Moi, pou. Arrête d'essayer de me parler. C'est moi qui fais. Il y a du bordel là-dedans. Un peu, non? Ça cause là-dedans. Souterrain. Tango 2 Québec. Ça donne des coordonnées ce truc. Si je rentre là-dedans, ça part en live ou. Oula, musique qui s'excite. Doucement, hein. Je sais jamais. Dariel? Ce qu'elle a dit? Il y a trop de bordel, on comprend rien. Bon. On va te remettre ta tête, H. Chez ma maman quoi? Oula. H. Leur H, ouais. Olympus? Quoi, tu t'arrêtes là, vraiment? Sérieux? Oh là là, le teasing de fou. Le ch... Non, c'est pas le chien. Ah, sympa. Charme d'armes. Ouais, d'accord. Allez, on veut la fin, on veut la fin. Poussière à la poussière. Allô? Youhou? Psst!
J'ai dit pst. On est sur un chat, Sylvain. Tu peux écrire. Et je voulais écrire pst. Ça te pose problème? Qu'est-ce que tu veux? Je suis encore en rogne pour info. Ce que je veux, un plus grand half-pipe dans mon jardin et un lapin violet nommé Kalino. Non mais tu te fous de moi? Cette tête t'a pas fait flipper? Si, bien sûr, mais peu importe. Et donc c'est quoi le plan maintenant? Le plan, c'est qu'on ferme notre clapet. On va pas sur place alors? On va où il y a les jeux, point barre. Non, 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 ça c'est pas possible. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Cette tête, Darion, Duardo, elle est au courant. Arrête de gueuler. Les majuscules, c'est pas gueuler. Elle connaissait leur nom. Et c'était quoi, ce laïus incompréhensible qu'elle nous a sorti? Ouais, j'avoue. Comme quoi elle connaissait leur nom? Et tu sais très bien à quoi ces noms correspondent. Dis pas le contraire. On est sûr de rien. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est ça, ouais. Tu veux avoir affaire à eux? Parce que moi, non. Rien qu'entendre leur nom, ça me donne envie de mettre les voiles. Enfin, plus que d'habitude. Si on est bon pour Olympus, on est bon pour Olympus. Fais-toi une raison. Bon, je te laisse. Tché, hé, tché, te barre pas comme ça! Il faut qu'on avertisse les autres. Pour eux, c'est juste un coin de terre sauvage, mais pour nous... c'est chez nous. Fin de la connexion. Fin. Jusqu'à la saison 6. Oh là là, les teasers. Oh, bah c'est bien. Ils nous donnent des petites infos sur ce qui va se passer la saison prochaine. On sent de la map, on sent du perso, tout ça. Sympa, sympa. Bon, bah sur ce, on a enfin fini. Allez, bisous les rivals.